Plusieurs procédés de soudage. Bon, par exemple, on appelle ça le MIG, qui est justement à atmosphère gazeuse, protection gazeuse. Alors là, effectivement, quand il y a du vent et tout ça, sur chantier, c'est très difficile de l'appliquer. On réserve ça plutôt à l'atelier. Il y a toujours l'aspect déjà prise de cote, c'est-à-dire qu'il faut toujours venir prendre les cotes, parce qu'effectivement il n'y a jamais une pièce qui n'est pareille. Ensuite, bon, la réalisation à l'atelier, hein, découpe et soudage. Puis vient ensuite effectivement la pose sur place. C'est de l'acier ordinaire. On appelle ça de l'acier ordinaire. Avec peint avec une couche d'anti-rouille, plus après une couche de peinture noire pour la finition. Et puis c'est mis là pour la sécurité, pour compléter le quadrillage en tissu. Et c'est de la baguette basique pour souder, électrode enrobée. Et voilà. C'est du métal d'apport simple, quoi.